Salut, c'est Mega Driver 16 sur le jeu Tour de France 2016, la suite de mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team, équipe 100% française avec des légendes telles Jacques Anquetil, Poulidor, Fignon, Jalabert, Virenc. On est donc en saison 2021, c'est le Tour de France, l'apogée de la saison, avec la sixième étape pour débuter cette vidéo. Nous avons fié une première vidéo sur ce Tour de France, les cinq premières étapes à l'issue desquelles, eh bien, Jacques Anquetil, le leader sur cette course pour mon équipe, a pris le maillot jaune à l'issue de l'étape Le Lioran. Jalabert, qui bataille lui pour le maillot vert, eh bien, il est deuxième pour le moment du général, il nous a bien aidés. Et donc, on va s'attaquer à la sixième étape dans un premier temps, Le Havre, ensuite Fougères, Bagnères de Luchon et Plumelec avant la journée de repos, le contre-la-montre par équipe. Tout de suite, Le Havre, où il va falloir essayer de récupérer un petit peu avec Jacques Anquetil, qui est un petit peu fatigué de ses efforts précédents. Jalabert en état de forme normale, tout que le reste de l'équipe. Ouais, Virenc qui est en mauvais état de forme, mais c'est pas gênant pour ce genre d'étape. Tout le monde a besoin de récupérer, donc de manière assez logique, on va rester groupé avec Jalabert qu'on va prendre. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec plus de 100 km à parcourir en bord de mer, le peloton sera particulièrement exposé au vent. Les équipes pourraient y trouver un intérêt pour passer à l'offensive et tenter un coup de bordure. Et c'est beau, dans l'équipe on voit deux maillots distinctifs, le maillot jaune de Jacques Anquetil, et donc c'est Galopin, je crois, chez nous, qui a pris, suite à l'étape Le Lioran, le maillot du maillot à poids, même si ça c'est pas un objectif que nous allons mener au bout. Et d'ailleurs, Anquetil tout de suite se fait protéger par Virmoz, nous on va demander à Galopin, qu'il a peut-être besoin de récupérer, mais bon, on va bien voir, il va protéger Jalabert dans un premier temps. On est en ordre, on va pouvoir se retrouver a priori au sprint intermédiaire qui est relativement loin dans cette étape. On reprend la main aux abords du sprint intermédiaire avec Laurent Jalabert qui va aller se placer à l'avant pour les 8 points qu'il y a à récupérer, car il y a déjà 7 coureurs en échappée à l'avant. Amador, Vauclair, Ulissi, Valgren, Martens, Coppel et Slater. Ce sprint intermédiaire, on peut le voir là. C'était au sommet d'une bosse à 2,9 km. Attention parce que ça va pas tarder à partir très fort là. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ça gagne, il est à l'avant là. On va essayer de rester dans sa roue. Ah non, il roule pas assez fort. Il y en a un là qui y va, Seeberg. Stibar qui emmène, ça y est, c'est parti. La Serbouani, c'est une bonne roue. Oh là, la Sagan. Bouani, merde, j'arrête pas de dévier ma trajectoire. On prend les commandes du général. Oh, c'est pas mal ça. Eh ben, on est passé en tête. Oh, c'était chaud, hein. J'ai même pas fait de jeter de vélo. Juste devant Sagan, comme on les a contournés sur la droite. C'était intéressant, il a une belle barre rouge, hein, Jalabert, qui descend assez lentement. Donc c'est intéressant, il peut maintenir un effort assez violent relativement longtemps, ce qui nous a permis là, de les déboîter dans le final et de prendre des points supplémentaires pour le maillot vert. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, on va se retrouver maintenant à la fin de cette étape au Havre. Avec Jalabert, toujours en vue d'un sprint massif potentiel. Alors, la situation est compliquée puisque ça roule très fort. Et avec Jalabert, on est un petit peu loin là. Et surtout, l'échappée va aller au bout. Maintenant, on le sait avec les écarts qu'il y a. On va prendre notre ravitaillement de rouge. Il va y avoir quand même quelques points à marquer à l'arrivée. Alors on va essayer de venir se replacer. Avec le final en descente, l'échappée devrait tenir bon. Ah, quoique, il n'y a plus que 38 secondes. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Elle devrait avoir assez d'avance pour la victoire d'étape. On va demander à Fignon de protéger. Oh, quoique, Virmoz, il peut encore. Alors, ce qu'on va demander, c'est à tout le monde de prendre son ravitaillement de bleu. Parce que je pensais que l'échappée allait aller au bout. C'est pas dit finalement, qu'est-ce qui se passe là?
une sorte de petite cassure ou quoi? Moi, je suis pas protégé avec l'orange à la mer, ça c'est dommage. 4,7 km. Franchement, là, l'échappée, c'est pas dit au bout du compte qu'elle aille au bout. Tony Martin qui emmène là. 31 secondes, c'est marrant hein, cet écart qui a réduit. Et puis finalement, là, il est stabilisé à 2,4 km. Ils vont peut-être réussir à aller au bout. Moi qui s'effondre là. Oh, ils vont être attrapés sur le fil, j'ai l'impression, les échappés. La flamme rouge pour l'échappée. On se met dans la roue. Oh, c'est chaud de l'échapper de la roue de Sagan. Mais ils vont peut-être se faire un petit peu embêter par les coureurs devant. Oh, on va la prendre, cette troisième place intéressante. Derrière Sagan qui s'impose et je ne sais pas qui en deuxième. Il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jacques Anquetil. Ah non, c'est Jalabert. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Alors, ça doit être par le biais des bonifs que Jalabert prend la tête du général, je suppose. On va voir ça tout de suite. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Tony Galopin. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On ne pouvait pas lutter sur cette étape, regardez, Sagan en excellent état de forme, Cavendish en bon état de forme, c'était vraiment deux gros morceaux. Jalabert peut être déjà fier de faire une troisième place sur ce sprint massif au Havre, ce qui doit le rapprocher encore un peu plus du maillot vert, surtout que Degenkolb, il n'est pas trop là, on dirait. Ah, il est que 12e. Est-ce qu'il y a eu des cassures? Parce que moi j'avais un virin qui était à 30 km de l'arrivée quand on a franchi la ligne. Bon, pas vraiment de cassures dans les favoris, on dirait. Ce qui nous fait donc un Jalabert pour une seconde grâce au biais des bonifs qui prend le maillot jaune devant Jacques Anquetil. Ok, petit événement de course. Le maillot à poids toujours Galopin, il risque de ne pas pouvoir le garder. Hein. D'ailleurs, c'est pas un objectif, en tout cas pas pour Tony Galopin. Le maillot vert d'Egenkolb avec, oui, un Jalabert qui se rapproche à grands pas. Hein. Plus que 17 points d'écart entre les deux hommes, c'est bien. Timo Hellens toujours en blanc. La Mega Driver Cycling Team toujours première au classement équipe. Et Sikeldam qui est à la combativité en tête. On a pris un maillot de leader, oui. Anquetil y récupère à fond. On va pouvoir se diriger sur la dernière étape de transition qui marque la fin de cette première semaine d'ailleurs de Tour de France, à savoir l'étape de Fougères où il faut bien préparer l'étape prochaine qui sera Bannière de Luchon et après le contre-la-montre par équipe. Hein. Donc tout ça c'est des échéances importantes, là à Fougères on va voir ce qu'on fait. Les états de forme normaux que je vois ici ne m'incitent pas particulièrement à tenter quelque chose. Tiens, Poulidor il est en excellent état de forme mais il faut le préserver quand même. Hein. Donc je pense que quitte à ce que l'échappée est au bout, on va rester tranquille. Alors Jalabert, on va prendre la main avec lui. Tiens, Octil, il a pour objectif de gagner l'étape carrément. Cette étape qui nous emmène en Bretagne, le scénario devrait être des plus classiques. Les baroudeurs profiteront des côtes situées peu après le départ pour former l'échappée matinale, alors que les équipes de sprinteurs attendront sûrement la deuxième partie de l'étape pour contrôler la course et provoquer une arrivée en sprint massif. Eh ben, il a bien résumé, c'est ce qui va se passer. Je vais mettre mon équipe en ordre de bataille, à savoir protéger mes leaders Jalabert et Anquetil. Et puis on va se retrouver très certainement au niveau du sprint intermédiaire, qui est très, très loin d'ailleurs dans l'étape. Donc on se retrouve là-bas alors qu'on est juste derrière l'actuel porteur du maillot vert, Degenkolb. Notre maillot jaune, Laurent Jalabert, que l'on retrouve aux abords du sprint intermédiaire où il y a pas mal de points marqués cette fois-ci. Hein. 15 points. C'est intéressant, c'est pas négligeable. Vu qu'il n'y a que deux coureurs en échappée sur cette étape, si on essayait d'aller prendre la roue, alors là il y a Vauclair, il doit y avoir Cocard hein, dans le coin. Là ça prépare pour Peter Sagan. Tiens, Bouhanni. Bouhanni, on va essayer de le prendre avec Greipel. Oh là là! Oh, il nous reste beaucoup de rouge là, c'est bon? C'est bon tout ça? Quoi qu'il a un beau sprint la Greipel, mais c'est bon. On va passer en tête et alors Degenkolb, toujours loin. Oh, ça va être bon ça. On va peut-être prendre le maillot vert à Degenkolb. Il passe 12e, il marque 4 points. Nous, on en a marqué 15, hein, c'est ça. Eh ben, on revient toujours à grands pas sur lui. Hein. Bon, c'est pas mal. Je me remets en mode accélération.
Virenque, ça m'embête. J'aime pas quand il se met en 50% ou quand il protège. C'est bon, là, il protège personne. Ça me va bien parce que demain, Virenque, il aura peut-être sa carte à jouer. Donc, on va se retrouver à présent au final à Fougères. 10 km de l'arrivée, un petit peu moins, même 9. J'ai demandé à Virenque et Roland de rester tranquille. Nous, on va demander des ravitaillements à ceux qui en ont besoin. Poulidor, il est entraîné. Excellent état de forme. Il va bien protéger normalement. Notre leader Anctil, lui, il va prendre son ravitaillement de bleu et puis voilà, on va prendre la main avec le maillot jaune. Ça va être compliqué pour eux, surtout avec la bosse d'arrivée. Ouais, la bosse d'arrivée, en effet. Galopin et son maillot à poids qui roule, hein. J'ai mon équipe qui roule quand même, hein, devant. Attention que je me fasse pas enfermer, même si on est relativement loin. De 30 secondes d'avance pour la tête de course. De l'échapper, enfin pas de l'échapper, de l'arrivée, donc on peut se permettre d'être un petit peu embouteillé pour le moment, mais attention, hein, dans les 5 derniers kilomètres, faut vraiment surveiller son placement les derniers kilomètres, pour être bien en tête, essayer d'être un peu protégé si on peut. Latinkov à fond à l'avant pour Peter Sagan, bien sûr. Ça va être très compliqué avec la bosse pour la victoire d'étape. 25 secondes, je pense qu'on va pouvoir manger l'échappée. Oh, ça accélère déjà là, qu'est-ce qu'ils nous font? Faut aller prendre la route Peter Sagan, hein, si on peut. Là, on rejoint l'échappée, donc peut-être qu'ils vont arrêter de rouler tout d'un coup là, eux. On va voir ça, non, ils arrêtent pas de rouler. Deux virages à droite et le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. On a la route Sagan, c'est pas mal ça. Allez, on donne tout ce qu'on a dans cette arrivée. Oh, le Degenkolb, il est bien placé. Nous, on est un petit peu moins bien placé. Est-ce qu'on peut remonter là? On se faufile. J'ai voulu faire un lancer de vélo, mais c'était trop tard. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Allez, on va passer relativement rapidement. Les maillots distinctifs, le jaune pour Jalabert, on peut dire que le maillot à poids pour Galopin. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il faut qu'il en profite, je pense qu'il aura plu à l'issue de la prochaine étape. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des Cavendish, le cave en personne, en excellent état de forme, qui s'impose devant Sagan et Degenkolb qui s'est bien repris après sa mauvaise performance du sprint intermédiaire et puis de la veille aussi. Christophe en excellent état de forme, eh bien il est devant nous. Jalabert qui ne fait que cinquième, c'est dommage, on n'a pas eu de bon état de forme pour pouvoir bien lutter. Et j'ai peut-être pas déclenché mon sprint suffisamment tôt, hein, parce que je crois qu'on avait encore de la réserve de rouge. Bon, Anctil y fait 11e, très bien. Je ne sais pas si on se rapproche ou pas du maillot vert, je n'ai pas regardé. Bon, toujours est-il qu'on est quand même à portée, hein, du maillot vert de Degenkolb. On est toujours dans la course avec Jalabert. Et là, voilà les états de forme qui nous attendent pour la prochaine étape. Bien délicate, première étape de haute montagne de ce tour, l'étape entre Pau et Bagnères-de-Luchon, sur laquelle on va peut-être essayer d'envoyer Virenque en échappée. On va voir ce qui est possible de faire. Encore des états de forme normaux pour les principaux protagonistes de mon équipe sur cette étape. Bon, Virenque, je le vois bien partir, tenter de prendre l'échappée. Il est là, finir dans les 5 premiers. Bon, ok, Fignon, il a l'objectif de gagner l'étape et Anctil de ne pas perdre de temps sur les favoris. Froome et Pinot, Jalabert de conserver maillot jaune, ça fait beaucoup d'objectifs, ça, hein, quand même. Mais bon, dans un premier temps, bonjour à tous. Échapper avec Virenque si on peut. C'est du grand classique qui nous est proposé. Le Tourmalet, la Ourcade dans 6 ans, Valluron Azette, Peyresourde, bref, un parcours taillé sur mesure pour les grimpeurs et le spectacle. Eh oui, pour le spectacle, et dès qu'on parle de haute montagne, en particulier de ce premier col mythique que l'on va franchir, que leur catégorie du Tourmalet, eh bien Virenque, il est de la partie. Bon, les gars, pas besoin de vous expliquer. Ah merde, ça va se passer aujourd'hui. Quel débile, j'ai pris Laurent Fignon. Laurent Fignon, tu peux attendre. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? J'ai pas sélectionné le bon coureur. Attendre Anctil, tiens. C'est bien Richard qui doit partir. Et pas Fignon, puisque lui, il va faire partie des grands lieutenants, hein, qui doivent aider Jacques Anctil dans son objectif de conquête du maillot jaune.
Donc voilà, Virenque il est parti. Il y a Simon qui vient à l'arrière pour participer à cette échappée, on dirait. Un peloton qui laisse partir parce que Virenque, sur l'étape du Havre, il est arrivé avec un retard monstrueux. Regardez, il a plus d'une heure. Hein. Il est 197e, donc avant-dernier de ce Tour de France. Voilà un personnage qui a marqué. Il a quand même un bon de sortie. Allez, il y a deux autres coureurs qui vont potentiellement nous rejoindre. Rodriguez, Joachim Rodriguez. Ah mince, ça, il va nous embêter, lui. Hein. L'échappée va pas pouvoir vraiment bien se développer avec sa présence. Et Backlands, ok. Bon, on va voir ce qu'il en est. On se retrouve déjà au sprint intermédiaire, je pense. D'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup, ça. Je reprends la main. On s'approche du sprint intermédiaire pour vous montrer cette échappée à laquelle participe Virenque. Il y a Pantano, Simon, Backlands, Rodriguez. Donc ça m'embête, comme je vous disais, qu'il y ait Rodriguez dedans. Il est trop bien placé au général, mais bon. Et puis alors le bug qui fait que je ne peux pas collaborer avec mes adversaires. On va essayer de le contourner, ce bug, en allant prendre... Alors, on a 9 minutes d'avance sur le peloton. On va aller prendre la main avec Jalabert. Et normalement, si on lui dit à distance à Virenque de rester dans son groupe, rester dans son groupe à 100%, peut-être qu'on peut contourner le bug. Nous, on est à combien ? 8 km 4 avec Jalabert de ce sprint intermédiaire. Est-ce qu'on pourrait faire le coup de tenter de les avoir là s'ils roulent pas trop fort ? Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Alors on va le tenter ce coup-ci. Hein. Allez, Jalabert qui tente directement d'assez loin. Il se met en position de rouleur. On va lui faire prendre son ravitaillement de rouge. Ouais, mais on a quand même pris quelques secondes d'avance qui peuvent être intéressantes pour ce sprint intermédiaire là. Oh, ça revient quand même hein, derrière. Va falloir enclencher un petit peu. Comment ça revient? Ça reviendra pas suffisamment fort. Et on va pouvoir normalement prendre les points là. Voilà qui est bon. Jalabert qui prend des points au sprint intermédiaire. On peut arrêter l'effort. On va surveiller Degen Kolb, où est-ce qu'il se situe? Il est dixième, donc il marque 6 points. On lui prend que 4 points, là, pour le coup. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va pouvoir se retrouver un peu plus loin au Tourmalet. Plus que 1,6 km du sommet du Tourmalet pour Richard Virenque et ses compagnons d'échappée. On est bien sûr, entre guillemets, il n'a que 82, hein, mais le meilleur grimpeur de l'échappée avec Richard Virenque. Attention à Joachim Rodriguez qui a l'air d'être intéressé. Hein. Ah, il s'est un peu mis dans le rouge, on dirait. Pour Ito, ouais, on est les deux meilleurs là hein, pour passer. On a largué un peu Pantano et les autres. La première partie de la descente est assez technique. Les coureurs devront rester concentrés. Ouais, ouais. Pour ne il a plus beaucoup de rouge, hein, Rodriguez, pour pouvoir espérer sprinter. Je pense qu'on va pouvoir prendre les points de ce premier col hors catégorie franchi dans ce Tour de France. Voilà. Et Richard Virenque, voilà, tel qu'on le connaît, va pouvoir à présent récupérer. Puis nous, on va aller voir ce qui se passe hein, du côté de Jacques Anquetil. On est protégé par qui pour le moment? Par Roland. Bon, sur ce genre d'ascension, pourquoi pas. Ça roule relativement tranquille. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se contenter de ce rythme-là. On ne va pas rouler derrière notre coéquipier Virenque, bien sûr. La défense du maillot jaune, voire l'attaque, hein, ce sera pour plus tard avec Anquetil. D'ailleurs, on ne doit pas le défendre puisque c'est Jalabert qui l'a, hein, mais bon. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Probablement avec Richard Virenque. Un petit peu plus de 2 km du sommet de la Horquette dans 6 ans. Alors, il y a Simon et Costa qui ont un peu lâché hein, dans l'échappée. Un peloton de 89 coureurs qui est à 6 minutes. Ce qui fait qu'on ne sait pas du tout hein, ce qui va se passer pour le final. Est-ce que l'échappée peut aller au bout ou pas? Là, je ne sais pas. Attention à Rodriguez qui est en puncher, doit être meilleur hein, que Virenque, je pense. Donc on va essayer tout de suite de durcir le ton avec Virenque.
pour ce sommet. On aimerait bien faire le plein sur cette étape. Là, il a voulu se replacer devant nous. On lui montre qu'on est intéressé. D'ailleurs, on va continuer un petit peu sur notre lancée. Oui, il est là. Hein. Ça va pas être évident. Où il est ce sommet? Il est là, Rodriguez. Il s'est mis un peu dans le rouge. Nous aussi, allons-y. Pour pouvoir passer en tête. Voilà le classement du dernier Rodriguez grimpeur. Toujours deuxième. Donc lui aussi, il va quand c'est même bien. Faire t'as remporté le dernier grimpeur. Une bonne opération, hein, même s'il passe toujours deuxième. Il fera quand même une bonne opération au maillot à poids. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je suppose que dans le peloton, là, ça va, ça se passe bien. C'est relativement tranquille. Ce sera difficile d'augmenter l'écart. Ouais. Bon, tant mieux, hein, si Pinot y roule. Bon, enfin, pourquoi pas, ça ne nous gêne pas. Nous, on va se retrouver au prochain col, puisqu'il y a une succession, là, jusqu'à l'arrivée. On le voit au loin, le col, le sommet du col de Valmorin-Azet. Et donc, on imprime toujours un gros rythme avec Richard Virenque pour être sûr de passer en tête de ce col. Derrière, ça a commencé à taper fort, puisque il n'y a plus que 51 coureurs dans le peloton qui s'est rapproché. Hein. Il est à 3 minutes 50 à présent. Nous, on a gardé notre rouge en réserve. Si jamais Rodriguez, il a encore des prétentions sur ce col, et il a bien dû comprendre qu'on était fort. Hein. D'ailleurs, là, il n'a même plus vraiment la force de continuer. Nous, on va accélérer un peu parce que ça pourrait être aussi en vue de l'étape, hein, éventuellement. On va prendre ses points. Le classement du dernier grimpeur. C'est pas mal. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Et puis, il va falloir aller prendre la main maintenant avec... avec Jacques Anquetil pour voir ce qui se passe. Regardez, surtout que Quintana, il attaque là derrière. Alors, ouais, on va tous passer au sommet, je pense, relativement groupés. Nairo Quintana, il n'est pas trop loin encore. On devrait pouvoir aller le choper dans la descente. Là, on est dans la route Romain Bardet, c'est pas mal. Je ne voudrais pas perdre d'autres coureurs. J'avais demandé à Viermoz et à je sais plus qui... dans l'équipe de finir tranquille, hein, peut-être Galopin, je ne sais plus. Se préserver pour l'échéance de demain, le contre-la-montre par équipe. Voilà, là, on bascule avec... On n'est plus que 31, hein, attention. On bascule avec Romain Bardet dans cette descente. Je vais regarder vite fait. Roland, il n'a plus grand-chose, mais ils ont basculé. Donc tout le monde devrait, normalement, pouvoir récupérer du bleu. On verra quand on sera à la fin de cette descente. Est-ce que Roland récupère? Oh non, Roland, il se fait lâcher. Dommage. Il était en défaillance. Hein. Mais bon, avec Jalabert, Fignon et Poulidor, je pense qu'on est bien pour ce final qu'on va vivre ensemble. D'ailleurs, à 25 km de l'arrivée, on est bien en ordre de marche. Hein. Fignon qui protège Anquetil, Poulidor, Jalabert. Attention, ça augmente là. Ça, c'est parti. Et je voudrais voir 3,44 devant Virenque, qui est tout seul à 80. C'est bon ça, c'est bon, et d'ailleurs je vais lui demander de prendre son ravitaillement, comme ça, ça sera fait. Nous, derrière, on est bien comme ça. Alors attendez, Jalabert, on va lui demander de rouler un peu fort, parce que n'oublions pas que c'est pas avec lui qu'on joue le général, hein, même s'il est porteur du maillot jaune à l'heure actuelle. Il y a combien, 7 km 1. Relayé fort, ouais, mais c'est surtout que devant c'est parti. Donc c'est Froome qui est parti avec Anquetil. On fait l'effort pour revenir là. Mes coéquipiers, je pense qu'ils vont peut-être pas pouvoir le faire. Tous ceux qui doivent me protéger. Ou rouler fort devant moi, ils ont peut-être pas les capacités de revenir là, de monter d'un cran pour venir ici. Ils sont pas loin, hein, ils sont dans le groupe quand même. Avec Anquetil, on fait l'effort. Il est très fort, il est plus fort que nous en montagne, en net intrinsèque, avec son 84. Il est accompagné par qui d'ailleurs? D'ailleurs, Robert Rezink, un coureur de la Cannondale. Je vois pas qui c'est, vu que nous on a Roland. Et il doit y avoir Bock et Mollema. Ben, on va aller vérifier ça tout de suite. Mollema, Rezink, Uran. D'accord. Je veux que vous rouliez derrière lui.
dangereux pour le classement général. Ouais, alors Quintana, il nous amène pas vraiment. Là, j'ai besoin, mes coéquipiers... Non, il reste pas suffisamment. On va tous leur demander de rester dans leur groupe, tout simplement. Et on va tous leur demander de prendre leur ravitaillement de bleu. Et nous, on va attaquer pour pouvoir revenir avec Jacques Anquetil sur le sommet. Et quoique, est-ce qu'on continuerait pas notre effort? L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant. Jacques Anquetil qui passe à l'attaque, là. Hein. L'avant de la course est à 2 km. Ok, Mollema qui a pris notre roue. Je suppose que les autres aussi. Oh, Froome, il tarde un peu. Il est où, Virenc? Virenc, il est devant 1,4 km du sommet. Et il est tout seul, hein. Ça c'est bien. Son équipe derrière toi, mais faut tenter. Nous, on est à 2,7 km. J'ai envie de prendre mon ravitaillement de rouge pour pouvoir refaire une petite attaque. Mollema et Rezin qui résistent bien, et Alberto Contador en personne qui essaye de ramener tout le monde là. Allez, on s'écarte un peu et on en remet une petite couche avec Jacques Anquetil. Vraiment une toute petite attaque pour voir si on décramponne un peu Racing. Ouais. Par contre, Bokeh Mollema, il a résisté à peu près. Nous, on va devoir prendre notre ravitaillement pour pas tomber en rade. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. J'ai demandé à mes autres coureurs, Jalabert et tout ça, d'être... D'ailleurs, Jalabert, c'est peut-être plus la peine. La descente n'est pas très technique. Je suis en train de me dire, Jalabert, s'il veut avoir des opportunités plus tard... D'ailleurs, tous... Ils peuvent se permettre... de rester sans s'épuiser. Allez, Anquetil, Virenc, je pense qu'il peut s'envoler vers la victoire d'étape, ça c'est bon. Bokeh Mollema qui suit bien, Robert Rezink à peu près. Il n'y a plus que Virenc et Rodriguez hein, devant. Je sais pas quelle est sa note à Rodriguez, à Anquetil, en termes de descente, mais là, on peut commencer à taper dedans, là. Allez. Là, c'était peut-être un petit peu trop secure, ce virage. On a peut-être un peu trop freiné. Ça risque de provoquer des cassures. Là, il faut donner. Hein. Il faut donner dans cette descente. Merde. Faudrait que je regarde la route, surtout. Allez, Jacques. Là, il y a moyen de faire quelque chose, là. On va continuer à accélérer. Les pentes permettent d'être en position aérodynamique. Attention, et maintenant il part en contre. Warren Barguil qui part en contre. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Il reste 9,2 km. Virenc, on devrait pouvoir assister à sa victoire là. Plus que 5 km pour la tête. Ah, j'étais obligé de freiner là, c'est pas bon. On relance comme on peut. Allez, des pourcentages qui nous permettent de mettre la position aérodynamique, tout en relançant quand même un peu. Hein. À 6,2 km, Virenc qui va s'imposer, hein. Rodriguez, il n'arrivera pas à revenir. Nous, on peut peut-être même viser, pas forcément de revenir sur Rodriguez, hein, mais de prendre des bonifs. Avec cette troisième place qui nous tend les bras. Nous allons assister à une victoire en solitaire. Allez, on relance à la sortie de ce virage. Je vois que Froome, il s'est détaché un peu. La victoire pour Virenc, ça va être la première de ce tour pour la MCT. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ça dit qu'on les voit pas trop, mais des écarts sont faibles. Hein. Ça y est, Virenc qui s'impose. Première victoire sur ce tour pour la Mega Driver Cycling Team. Rodriguez devrait faire deuxième d'ici peu. Allez, Jacques Anquetil, on essaye de soigner ce virage. Rodriguez, on le voit là. Oh, c'est dur là. Je sais pas où ils sont les autres. Là, on peut donner tout à fond. Ils sont pas encore dans le virage. On va leur prendre quelques secondes, hein, ça c'est sûr. Richard Virenc. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Relativement discret depuis le début de la saison, de cette saison. Richard Virenc qui fait parler la poudre ici.
Victoire d'étape et sûrement maillot à pois. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jacques Anquetil, avec sa belle descente vers Bagnères de Bouchon. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Ah oui, là, c'est dans l'offensive, c'est montré payante. Des secondes de bonif avec cette troisième place, et puis il a dû prendre quelques secondes sur les favoris. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Eh oui, c'était prévisible avec ce qu'il nous a montré aujourd'hui, Virin, espérons qui prend le maillot à pois. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. La première victoire d'étape sur ce Tour de France pour la MCT, c'est Virin qui nous la porte, comme je disais, discret sur le Critérium International ou sur le Dauphiné. Et bien là, il fait parler la poudre en effet. Il passe en tête de tous les classements montagne dans cette belle échappée du jour avec Rodriguez. Et il s'impose sur l'étape. Donc, double coup, hein, puisque vainqueur d'étape et prise de pouvoir au maillot à pois. On voit donc Jacques Anquetil qui prend 4 secondes de bonif, qui arrive à 2,06. Mollema 2,52, Rézing 2,57, ça commence à faire hein, quelques écarts. Là, il y a 50 secondes d'écart. Bardet, Froome, Quintana, Martin, Valverde. Alors, ben, j'ai l'impression qu'il y a tout le groupe là. À 2,57. Non, il manque Pinot un petit peu plus loin. 3,02, Contador. Eh ouais. Ouais, donc Contador, Quintana et Froome qui perdent du temps. Au plus de 50 secondes chacun. Plus les secondes de bonif, c'est pas mal. Ça nous fait dans les 55 secondes. On va voir le nouveau maillot, le nouveau classement maintenant du classement général, donc, puisque j'avais demandé à Jalabert et tout ça de freiner, hein, de couper leur effort. Donc on prend 1,07 d'avance sur Valverde, qui est notre dauphin. Froome est troisième à 1,21. Bock et Mollema, quatrième à 2 minutes. Et Rodriguez, avec cette belle échappée aujourd'hui, les cinquièmes à 2,25. On savait qu'il n'était pas très loin en général. Contador et Quintana sont bien dans le top 10, mais à plus de 3 minutes. Bon, Jalabert, il descend et c'est normal. Virin qui prend une belle fournée de points là, hein, sur ce classement grimpeur. À surveiller quand même Rodriguez qui n'est pas très loin. Classement maillot vert, eh bien, on a 6 petits points d'écart pour Jalabert derrière Degenkolb. C'est encore vraiment totalement jouable. Hein, on est bien dans la course avec lui. Warren Barguil qui a pris la tête du maillot blanc. Nous, on est toujours en tête, on a même accru notre avance grâce à cette échappée avec Virenque aujourd'hui au classement par équipe. Et donc, c'est Keldam toujours en tête de la combativité. Voilà, on a pris des maillots, ça va nous faire récupérer parce que là, grosse échéance. On a des coureurs fatigués, hein, mais bon, on va essayer d'assurer au mieux parce que maintenant, c'est le chrono par équipe qui va venir clôturer cette vidéo. Et là, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant entre Vannes et Plumelec. Deux bons états de forme, on en a un ici, Fignon, et puis c'est bien parce qu'il a quand même 79 en chrono. Hein. Attention, c'est un sérieux client. Il est d'ailleurs dans la catégorie argent des coureurs de chrono. Anquetil, avec son 84 en chrono, il est carrément chrono or. Virenque, il est ici, bon, pourquoi pas. Roland aussi, on va pas trop compter sur lui comme Virenque pour ce chrono. Par contre, Poulidor, on va compter dessus. 70 pour Galopin, Viermoz n'est pas terrible. Perrault, il est pas mal. Et Jalabert, il est très bien. Donc, on a nos 5 coureurs. Hein. Jalabert, Perrault, Poulidor, Fignon et Anquetil. C'est bien avec ces coureurs qu'on va essayer de faire du mieux possible sur ce chrono. Sur la ligne de départ, nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Alors, peut-être attention de ne pas aller trop fort dès le début avec Jacques Anquetil, parce que il faut pas oublier. Attention, Jalabert, qu'est-ce qu'il essaye de nous prendre le relais. Bon, pourquoi pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les autres ne sont pas aussi forts que nous. Et puis ce qu'il y a de délicat toujours sur ce chrono, c'est que autant j'y arrivais bien sur le Tour de France 2015, autant c'est toujours beaucoup plus compliqué sur depuis cette édition 2016. Là, je crois que je ne l'ai jamais remporté ce chrono par équipe, hein, tout simplement. Alors Virenque, qu'on va le faire passer un petit peu quand même, hein, même si on ne compte pas énormément sur lui. Je vous propose de vous retrouver
pour le premier intermédiaire. Allez, Fignon, assure bien. À 1 km du premier intermédiaire, c'est Poulidor qui est en train d'effectuer son relais. On a des coureurs, hein. J'ai vu Roland quand il est passé, il était déjà un peu à l'agonie, en tout cas au niveau du rouge. Donc je leur fais prendre de très courts relais. Ah, c'est pas mal, on a fait le premier temps intermédiaire. Galopin, lui, il est honnête, mais sans plus. Donc on va lui faire passer un relais relativement court. Viermoz, il est encore moins fort, on le voit, son énergie bleue. Donc lui aussi, il va donner tout ce qu'il a dans cette bosse, puisque n'oublions pas que c'est quand même un puncher. Et les autres vont suivre sans problème, hein, même s'il accélère. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ils s'écartent, hein, les coureurs mauvais en contrôle la montre au fur et à mesure. Et on va se retrouver au deuxième intermédiaire. À 10 km de l'arrivée, on retrouve Jacques Anquetil qui mène le chrono par équipe. J'espère qu'il ne fait pas trop mal à ses coéquipiers derrière. Il est sur un long relais. Et on va prendre la main avec Virin qui, lui, est à l'agonie, on le voit bien. Donc il va donner tout ce qu'il a là pour son équipe et s'écarter. On va voir tout de suite à ce deuxième intermédiaire si on est toujours en tête avec la MCT. Allez, donne tout ce que t'as, Richard. Oui, on a toujours une vingtaine d'avance sur la Tinkoff, c'est pas mal. Fignon, lui, il a de la marge, c'est bon. Richard Virin qui va pouvoir, j'espère, là, s'écarter, puisqu'il tiendra pas longtemps encore, vu la réserve de bleu qu'on a vu. Fignon, il peut emmener un bon relais, surtout qu'il est en excellent état de forme. Roland, on le voit, tout comme Virin, qu'il a du mal, il est toujours dans l'effort, hein, pour pouvoir s'accrocher derrière. Allez, allez. Lui aussi, il faudrait qu'il s'écarte relativement rapidement. Mais j'ai... Ah oui, j'ai Virin qui a lâché là. Allez, on fait passer son dernier relais à Pierre Roland qui va tout donner là. Et qui après devrait pouvoir s'écarter. Laisser la main à Poulidor alors qu'on est entré dans les 5 derniers kilomètres. Poulidor, il a encore de la marge. Tout à l'heure, celui qui m'a fait un petit peu peur, c'est Jean-Christophe Perrault qui lui était un petit peu en déficit de bleu. Hein. On va bien voir ce qu'il en est plus tard. Galopin, il pourrait s'écarter aussi. Hein. Ah, ce virage est délicat. D'ailleurs, c'est Galopin qui en profite. Oh, il y en a plusieurs qui ont lâché, là. Galopin, il peut lâcher l'affaire. Poulidor, il peut reprendre la main. Perrault, il tient plus ou moins. On est bien 5 hein, pour le moment. Et là, c'est le final, c'est la flamme rouge. J'ai peur que Perrault nous lâche. Allez, on essaye quand même de continuer notre effort. Ouais, il s'est écarté tout seul, ça c'est bon ça. Il s'est écarté tout seul, Perrault. On peut continuer à taper dedans, donc, avec Poupou. Ah mince, on est plus 5 là. Attendez, 1, 2, 3, 4. Ah non, il est un peu plus loin. 1, 2, 3, 4, et le temps sera pris sur le cinquième qui franchit la ligne tout de suite. Applaudissez-le, son équipe vient de remporter l'étape Van Plumelec. Et c'est beau, c'est la victoire d'étape. Bravo à lui et ses coéquipiers pour avoir su s'imposer aujourd'hui dans cette épreuve chronométrée. Je ne pensais pas qu'on pourrait la gagner. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Mais d'un autre côté, on avait des sacrés coureurs. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jacques Anquetil qui le conforte, ce maillot jaune. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et on va voir apparaître un Virenc qui n'a pas été d'un grand soutien, mais c'est pas son domaine et qui a toujours le maillot à poids normalement. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Richard Virenc. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Les résultats, on s'impose apparemment avec 10 secondes d'avance sur la Tinkoff. On a bien Jalabert qui fait partie hein, du temps retenu. Donc peut-être qu'au maillot vert, il marque des points, peut-être. Ah non, le maillot vert pour le classement par équipe, pour un chrono par équipe, il n'y en a pas. Par contre, si on regarde
l'équipe, effectivement, là on aura les vrais résultats de toutes les équipes. La MCT qui s'impose en 32-43, 10 secondes devant la Tinkoff, 13 devant la BMC, et on prend encore 20 secondes à Froome, ça c'est bon. La Movistar de Quintana, elle est plus loin, 43 secondes, ce qui veut dire qu'au général, eh bien, on fait encore une belle opération là, à Jacques Anquetil, qui augmente son avance devant Christopher Froome, qui devient deuxième à présent du général, à 1.41. C'est pas mal, hein, avant d'affronter quand même, bon, déjà la première journée de repos qui va faire du bien à tout le monde, et ensuite de grosses étapes, hein, comme la Pierre Saint-Martin et le Mont Ventoux. Mais en tout cas, après une première étape des Pyrénées et un chrono par équipe, voilà un petit peu l'état des lieux de ce classement général. Jalabert qui remonte, hein, grâce à ce beau chrono. On retrouve quand même toujours Contador et Quintana au-delà de 3 minutes, hein, même 4 minutes pour le Colombien. Donc c'est pas mal, on a fait quelques écarts intéressants avec Jacques Anquetil. On fait un petit détour par les autres classements pour clôturer cette vidéo. Virenque toujours en tête, bien sûr, ça n'a pas changé du maillot à poids. Pas de changement aussi pour le maillot vert, toujours Jalabert en embuscade derrière Degenkolb pour ce classement du maillot vert. Warren Barguil en tête du maillot blanc, toujours. Nous, on a encore pris un peu d'avance sur le classement par équipe avec la MCT. Et Cycledam toujours à la combativité. Voilà pour cette vidéo, vous avez gagné l'étape, donc ça fait un peu plus de récup. Et de toute façon, il y en aura à bloc, vu que c'est la journée de repos qui va nous permettre d'ailleurs de se dire au revoir, de se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo de ce Pro Team saison 2021 avec la Mega Driver Cycling Team 100% français avec les légendes. Et effectivement, gros programme aussi sur la prochaine vidéo, parce qu'on aura la Pierre Saint-Martin, Cotteret et le Mont Ventoux, un enchaînement magistral suivi d'un chrono individuel du Pont d'Arc. Attention, la grosse prochaine vidéo qui nous attend avec un très gros programme. Sur ce, je vous dis à plus tard.